Bonjour famille Cherche TV, bonjour à tous les magnans, bonjour à tous ceux qui m'aiment, bonjour à tous ceux qui ne m'aiment pas, que Dieu vous bénisse. Bon, cette vidéo, je viens encore demander pardon au monde et vous expliquer l'origine de toute l'histoire, de tout ce faux clash qui s'est créé là. Voilà. Le clash survient 2 jours avant la tournée de Monatis. Maman, je vous dis toujours, je n'encourage vraiment pas ce que Monatis a fait. Je n'encourage vraiment pas ce qu'il a fait. Mais je vous demande pardon. Accordez-lui votre pardon. Voilà. Accordez-lui votre pardon. N'écoutez pas ces personnes-là qui sont en train d'envenimer la chose. Maman Beno, pardon. Maman Beno, pardon. Maman Beno, pardon. Jacinta, pardon. Épouse de Beno, pardon. Maman, comme je vous explique, ce faux clash, ça survient 2 jours avant la tournée européenne de votre fils et enfant de Bodoli Koufa. Et 2 jours avant la fête des mères. Tout cela est stratégique. On connaît l'état d'esprit de ce dernier-là. On sait qu'il est très impulsif. On sait qu'il est très en colère. Si jadis, Beno n'avait pas ouvert sa petite gueule, excusez-moi du terme, je vais éviter ça même, sa bouche pour venir dire sur les réseaux sociaux que Debordeaux n'est pas son ami, je vous jure que la pique qu'ils lui ont envoyée, qui a créé toute cette polémique-là, n'allait jamais exister. C'est parce que votre fils Debordeaux s'est senti tellement humilié, tellement trahi par ce dernier-là, qu'il a voulu réagir, quoi. Et il a mal réagi. Sinon, votre fils a raison. Il a juste déconné en injurant la mère de Beno et sa femme. Donc, maman, je viens encore dans cette vidéo vous demander pardon. C'est comme je vous ai dit, là. Actuellement, où je vous parle, il est là. Il est présent. Il est avec vous actuellement. Actuellement où je vous parle, il est avec vous. Moi, tout ce que je vais vous demander là, vous êtes des mères, ne réagissez pas comme ces méchantes personnes qui n'attendent que les dérives de quelqu'un pour le fustiger, pour lui faire une mauvaise presse. Il a déconné, nous tous, on sait. Moi, mais il était fâché. J'ai même fait une vidéo où j'ai crié mon ras-le-bol. Dieu merci. Il a demandé pardon après. Mais sortez. Sortez massivement. Et partez à ce spectacle. Comme je vous ai dit hier, là, quand il finit son showcase, vous l'approchez pour dire, mon fils, on t'aime bien. On était découragé de toi. Mais tellement qu'on t'aime là, on te pardonne. Plus jamais tu fais ça. Parce que quand on est fâché, on ne fait pas de vidéo, on se calme d'abord. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Maman, demain c'est votre fête. Ne fêtez pas cette fête-là fâchée contre un enfant. Parce que Debordeaux Likoufa, c'est votre enfant. Je vous demande pardon. Je ne suis rien. Voilà, je sais que je ne suis rien. Je ne compte pas. Mais pas ma voix là. Accordez-lui ce pardon-là. Dieu nous pardonne nos erreurs. Essayons aussi de pardonner à notre artiste Bordeaux. Parce qu'au fond de l'histoire, il a raison. Il a juste trop exagéré dans sa réaction, c'est tout. Donc les promoteurs qui ont annulé le spectacle là, je sais que ça ne va pas changer quelque chose, mais j'aimerais bien aussi m'excuser auprès de vous. Ce que vous ne savez pas, réfléchissez bien. Bordeaux est l'artiste le plus attendu de la diaspora. Donc tout cela a été créé pour diminuer sa cote. Mais comme Dieu est Dieu, je sais que vous sortirez massivement. Et cela va confondre ses ennemis. C'était ma petite vidéo du jour. Partagez-la et sachez que je suis avec vous. Que Dieu nous bénisse tous.